Alors oui, j'ai beaucoup de sauvegardes, écoutez, c'est normal. Alors, j'aperçois quelque chose par là, du coup ça ne me dit rien qui vaille. Ok, des guerriers zombies. Ah putain, c'est Elané qui est blanc. C'est tout bon, parfait. Du coup, c'est juste une petite salle. Très bien, juste une petite salle avec un coffre que je ne peux pas ouvrir. Ok, très très bien. Et du coup, c'était eux qui m'empêchaient de me reposer. Ok, bon. Déjà une bonne chose. J'ai enchaîné deux repos après chaque combat histoire de passer le temps et de voir à chaque fois s'il y a un malus qui part. Pour le moment, rien. Ensuite. Je peux voir qui c'est. Oui, il y a une porte ici. Qui doit être une salle centrale pour autre chose. Ce qui me fait peur. Du coup. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Un guerrier zombie. On a deux guerriers zombies aussi. Ah non, c'est l'année qui a lancé son sort. Bon bah, ouais, quel gars tranquille. Il flex. Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien du tout, ça devait être une salle de stockage. Oula, par contre, fais attention mon petit Slan. Faites très très attention. Les ennemis sont proches, donc il y a quelque chose à côté. Je veux que tout le monde sorte, parfait. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Là, bon, on n'a rien. Là, on a une porte. Ah, Slan a repéré un truc. Slan a repéré un truc, on va le suivre. Exactement. Il a repéré un guerrier zombie. Il en a repéré un deuxième là-bas. Il s'est pris un piège. Il s'est pris un piège, ce con. Il va falloir qu'on se soigne, mon petit Slan. Revenez en arrière. C'est un ordre. Les gars. Allez, Nishkel est rentré là-bas, mais quelles sont vos connes. Putain. Et Nishka qui est malade. Bravo, Nishka. Bravo, putain. Connasse. Nishka, je te jure que je vais te frapper, toi. Oui, écoutez, moi j'ai pas envie de faire des quêtes, la vie, blablabla. Mais alors, les combats après. C'est elle qui a ouvert la porte, du coup. Putain, mais Slan, mais quel bourrin. Incroyable. Le best. Ok. Personne ne bouge maintenant. Toi, je vais te frapper. De toute façon, t'es malade, donc là, ce qui va se passer, c'est que tu vas en payer le prix. Je refuse de te soigner. Et Slan qui a repris un malus, et ça m'énerve. Ah ouais, vas-y, fais tes jets de vigueur maintenant. Ah bah, ça va être bien. Putain. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Heureusement que j'ai encore du soin. J'ai pas des plus 1. Ouais, si, plus 1. Franchement, t'aurais pu ne nous attendre. Idiote. Bon, j'avais vu une. Alors, pas une porte qui était là-bas. Mais du coup, on va faire le tour. Par ici. Arrête de courir, arrête de courir. Arrêtez de courir. À chaque fois, ça me stresse. Save. Et on va passer par là-bas, plutôt. Ça me semblait être une bonne idée. Site une porte
qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte et ça ne me dit rien qui vaille. Oh, ok. Tu vas regretter de nous avoir croisés. Alors venez, les gars, venez. C'est des tombes. C'est des tombes. Nom de Dieu. Il y en a trois. Ah merde, il y en a un que j'avais pas vu. Je vais mourir. Ah là là, et ils me suivent. Ouais, Stan, s'il te plaît, merci. Ah oui. Ok, je peux encore l'utiliser une fois, après ça ne me servira plus du tout. Oui, oh putain, Ishka me fait peur. Des ennemis sont proches, vous vous foutez de moi. Ça doit être des ennemis qui sont dans une salle juste là. Il y a un quoi? Un sarcophage. Mais au secours. Mais au secours. Sarcophage, on m'a appris que c'était pas toujours la meilleure chose à faire. Tu vois, j'ai un peu peur. J'ai très très peur de ce sarcophage. Une améthyste. Ok. Is ok. Là, le coffre. Potion de soins légers. Bah, je vais prendre l'objet. On va remonter et puis je vais me soigner. Faudrait que je pense à prendre des potions à un poil plus puissantes. Il y a quelque chose par ici qui m'empêche de me soigner. Moi, je tiens absolument à me soigner, les gars. Ok, ouais, il y a quelque chose par là-bas, je pense, qui m'empêche. C'est tout bon, c'est tout bon. Du coup, on va passer par ce couloir. Il y a une page, je le savais. Déjà, il y a deux zombies. Déjà, sûr et certain. Qui s'est pris un piège? Non, non, oui. Dépêchons-nous. Dépêchons-nous. Putain, là-bas, là-haut. Là-haut, les... Putain, mais les... C'est quel gars qui est parti là-bas? Quel gars tu reviens là-bas? Il y en a un qui va prendre cher. Il y en a un qui a pris cher. J'ai fermé la porte. Ah mais, j'arrive pas. Voilà. Faut rentrer. Je me suis pris une maladie. Ah mais il y en a deux. Mais c'est horrible. C'est complètement horrible en fait. Je peux rien faire. Je peux rien faire. En fait, là je... Ouais, quel gars il va prendre tellement cher dans ses dents. Ça m'énerve. Attends, rentre. Voilà, histoire qu'on soit plusieurs. Histoire que... Voilà. Ça va déjà aller un petit peu mieux comme ça. Ah, on a un cadavre squelette juste ici. On a l'autre con là, qui est par là, qui est tranquille dans... qui fait sa vie. Suivez-moi. Bon, c'était donc bien... ce personnage, oula, le jeu. Le jeu, t'as eu un petit problème, je crois. Aïe. Je me suis repris une maladie, une double maladie même, ça c'est... Je suis trop chargé pour bouger. Ah, putain. Bon bah là déjà... Ah oui, oulala, ouais, d'accord. Je croule un peu sous le poids, là. Oh non, mais c'est la maladie, putain. Génial. Bon bah là ça va être super. Voilà, j'ai repris une sauvegarde, ça va un petit peu mieux. Du coup, je suis toujours le seul à être empoisonné, je me fais pas avoir cette fois.
Donc on va reprendre. Donc dans cette zone, oui, il y a ce personnage qui n'a rien du tout, blablabla, je me soigne en espérant que ça ne partira pas. Il va falloir que je fasse une vraie nuit ou que je prenne une bénédiction. Je suis en train de me dire ça. Donc là c'est bon. Et il y a encore toute cette zone là-bas que je dois aller voir. On va finir par y arriver, je vous assure. Je vais faire plein de cuts de façon à ce que ça arrange tout le monde. Pourquoi cette porte est fermée? Eh ben vas-y. 20. Oh non, j'ai raté de 1 point, sérieux. Putain, mais elle est trop forte. Elle est trop forte. Ah! Slan, c'est tes potes. Il est bourré, Slan. Slan? Pas lui. Sergent. Alors, Sancho, pas Sancho normal, le guerrier, son nommé, voir chef, chef, Sancho mentir, tu es Slan. Nous avertir clan, pour précis. Slan, t'as pas vous, soyez guerrier, Slan, alors Slan conduira, je suis. Allons-y. On y arrive! Tenir parole. Quoi voulez-vous, Sancho? Humain besoin bateau pour marcher sur eau. Si nous casser bateau, humain partir. Sancho, tous pensées peuple lézard pareil. Toujours veulent tuer nous. Clan pas intéressé par Sancho, mais pas veut prendre risque. Nous obligés chasser eux de nos terres. Non. Clan choisit vivre ici. Nous pas pouvoir partir. Nous déjà quitter Marais. Pas quitter ici. Sancho du village. Toujours faire ennui. Clan obligé faire partir eux. Nous pas confiance, humain. Clan pas assez fort pour attaquer. Peut-être humain partir si nous casser bateau. Chef, pas croire vous. Vous mentir comme humain. Chef, pas croire vous. Vous mentir comme humain. Aïe. Ah là là, la diplomatie, c'est de la merde. Défendre ses terres. Humain, souffrir. Vous, sage, parlez comme chaman clan. Chef, plus attaquer si humain pas faire mal, peuple lézard. Mais si humain casser promesse. Chef, confiance en vous. Vous, pas rater. Ou sans chose souffrir. Vous, partir. J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est passé avec ce lézard, mais qui sait comment le patriarche du village va réagir. Ouais, je vais le convaincre. Est d'avoir fait un pas vers eux. Ce que les villageois se refusaient à faire. Il y a assez de place à Grand Roche pour deux tribus. L'une d'hommes lézards, l'autre d'humains. Crois-moi, si tu as réussi à convaincre cette tribu, le patriarche ne devrait pas poser de problème. Oh, on aurait mieux fait de tout massacrer. Ça aurait résolu le problème. Mais on ne peut plus reculer, pas vrai? Non. Non. Quelle guerre? Réfléchis. Non. Je suis revenu à Grand Roche. Ah, mon petit pote, ça tombe bien. Écoutez, ils ont été retrouvés. Ouais. Ouais, c'est terrible.
Allez, hop, 250 pièces d'or quand même. Attends. Loyal bon, ok. Non, c'est tout bon, ok. Et je gagne de l'XP, donc. Moza, c'est bon. Ensuite, il faut parler aux enfants. Donc on va aller un petit peu plus loin. Faudrait aussi que je trouve le patriarche. Oh bonjour patriarche. Vous dire... Ah mais je suis au patriarche. Oui. Oh. Diplomatie, est-ce que je tente la diplomatie? Putain de merde, ça marche pas! Bon, allez. Merci! J'ai perdu la quête. Ah, oui, vous! D'avoir retrouvé. Oui, c'est tout bon. Les garçons sont sains et saufs. D'après ce que vos fils m'ont apporté, vous n'avez pas été avare. D'accord. Ouais. Oh, c'est très généreux, c'est très très gentil, cette amulette. Amulette de Zashan, 3 points vers le bon. Qu'est-ce que c'est? Surtout que j'ai ramassé plein de trucs. Allez, elle est où? Ah, j'ai tout perdu dans mon inventaire. J'ai tout paumé dans mon inventaire. Anneau de résistance, non. Elle est perdue quelque part dans l'inventaire. Écoutez, je vais la retrouver un moment. Je vous assure que je vais la retrouver. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Bon, elle est quelque part, hein. On va dire qu'elle est quelque part dans l'inventaire. Oui, donc ça c'est bon, mais bon. Donc ça c'est fait. Ouais, et ben écoutez, je pense qu'on va partir pour pas d'hiver. Allez. Allez, on se dit ça. Patriarche. Oh, c'est très gentil. Ah, merci beaucoup, merci. Ah merde, j'ai obtenu une armure. Oh merde. Oui, allez. C'est parti. Je peux pas regarder mon inventaire, tant pis.
c'est ça, pas d'hiver. Ouais, passable pour une ville bâtie par les humains. Mais ça m'impressionne pas. Pour avoir une ville correcte, faut construire dessous, pas dessus. Cet endroit est si peu naturel. Le bois et la pierre sont comme morts. Par pitié, taisez-vous tous les deux. Vous n'avez fait que vous lamenter pendant tout le voyage. Oh, j'ai l'estomac en compote. Ce bateau remue comme le derrière d'un troll. Cette eau est si profonde, si peu naturelle, contrairement aux marigots des Maccabées où j'ai grandi. Cette eau est si profonde, si peu naturelle, contrairement... Je n'ai pas que de bons souvenirs de cet endroit, mais c'est chez moi. Alors, on commence par où? Voyons. Trouve une échoppe, déjà. J'ai quelques détails à régler aussi. Mais il faudra mieux se faire discret, d'accord? Les docks sont plutôt mal famés. Croyez-moi, je connais pas d'hiver comme ma poche. Bon, allons-y. J'ai de l'or qui me brûle les mains et j'ai bien l'intention de le dépenser. Eh bien, ça y est. Ça y est, nous sommes arrivés à pas d'hiver, malgré tous les embûches qui ont été sur notre chemin. Et j'ai quasiment perdu tous mes malus, si ce n'est mon déplacement qui a été réduit. C'est une excellente nouvelle. Alors on remarquera déjà que le quartier des docks a beaucoup changé au niveau du plan, contrairement au premier jeu. Bref, nous allons nous attaquer à tout cela dans la prochaine session, étant donné que là, on a quand même bien avancé. Donc, on est à pas d'hiver et ça, c'est cool. Sur ce, merci d'avoir suivi cette session et ces épisodes jusque-là en ma compagnie. J'espère que ça vous a plu. Nous avançons enfin dans le jeu vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à commenter si vous avez une stratégie ou ce que vous avez pensé du jeu, à me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent et où j'annonce les sorties, les projets et des vidéos. Et retrouvez-moi évidemment sur Twitch maintenant, c'est dans la description, c'est dans le planning, et bien sûr la chaîne de VOD, Railus VOD. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.